Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le vendredi 12 novembre. Tout se passe extrêmement bien pour moi, sauf que j'ai des problèmes de connexion. C'est pour ça que je fais ma petite vidéo aujourd'hui ou jamais, ou sinon il n'y aura pas moyen d'avoir une vidéo pour ce week-end. J'espère que je vais pouvoir en réaliser une deuxième pour mercredi peut-être. Donc restez à l'affût, abonnez-vous, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Du coup, aujourd'hui nous allons réaliser un petit unboxing à l'ancienne. Let's go, c'est parti, je ne vous fais plus attendre, c'est parti. Du coup, nous avions dans la partie magasin, nous avons eu la boîte ici, petite boîte gratuite. Et j'ai vu aussi que pour 1500, on a soit 1000 mégaboîtes ou pour 500 la grosse boîte. Je pense qu'on va prendre une grosse boîte par la suite. Donc let's go, c'est parti. J'espère que tu aimes cette série de vidéos, donc n'hésite vraiment pas à repartager et à exposer la barre des pouces bleus et la partie des commentaires. C'est partout, c'est partout, c'est parti avec 13 pièces brawl. Avec 6 points pour Pam, 10 points de pouvoir pour Béa. Ok, une petite boîte à la cool, à l'ancienne. C'est vrai que ça fait un petit moment, même énormément de temps, que je n'ai plus fait de unboxing. Let's go. Pour 500 points, on va prendre deux grosses boîtes, ou une si c'est possible. Donc 59 brawl pièces, 9 points de pouvoir pour Carl, 9 points de pouvoir pour Polly et 10 points de pouvoir pour Spike. Ah, enfin, on va pouvoir l'augmenter encore plus. J'ai hâte de pouvoir l'augmenter. Oh, dommage, je ne peux plus avoir l'autre. Donc, pour 1500, on va peut-être faire de la coupe star après pour la prochaine vidéo afin d'augmenter par exemple nos fameux points. Ups, récompense. Je veux voir les récompenses. Récompense. Ah, voici. Donc, les points de saison ici. Pour pouvoir aller plus haut possible pour avoir un maximum de skins ou de boîtes gratuites. Alors j'avais ici encore dans les récompenses la saison précédente. Certes, nous n'avons pas été super haut la saison précédente, mais let's go, on a une brawl boîte. Let's go. Oh, point de pouvoir star, pardon, décharge. Ici, il peut réparer sa tourelle et lui rendre 896 points de santé, la touchant avec son attaque. Intéressant, mais je pense que je préfère l'autre point, pouvoir star, pardon, qui permet de faire aussi des renvois énergétiques avec sa tourelle. Et on récupère les 10 gemmes. Attention à la grosse boîte, c'est parti. Et 62 pièces. 11 points de pouvoir pour Stu, qui se suit à Stu, je vais même pas encore essayer. On va pouvoir faire du gameplay de nouveaux brawlers. Hops, 20 points de pouvoir pour Bo et 20 points de pouvoir pour Poco. Il se peut qu'il y ait une nouvelle série de vidéos qui revient, étant donné que j'aurai créé un petit compte Brawl Stars de zéro pour redécouvrir totalement le jeu. Je garde mon gros compte pour faire des événements, etc. Car ça permet de nous visualiser sur les événements. Mais je pense faire mon petit compte avec les unboxings, etc. à la suite. Let's go, on enchaîne avec la petite boîte de brawl. 30 pièces. 6 points de pouvoir pour Bo. Et 6 points de pouvoir pour Mortis. Et une grosse boîte pour nous. Let's go. Et ça fait 68 pièces. 8 points de pouvoir pour Bartarba. Et 11 points de pouvoir pour Tara. 50 points de pouvoir pour Rosa. Ça fait un petit moment, Rosa. Je n'ai plus joué depuis un bail et on décroche les 50 pièces. Et notre deuxième grosse boîte, let's go. Et on débloque 55 pièces. 8 points de pouvoir pour Jackie. Et 9 points de pouvoir pour El Costo. 13 points de pouvoir pour Billy. Et c'est parti. C'est tout ce que nous avons reçu pour l'ancienne saison. Ceci, on appelle les pièces. Oh, juste les pièces. On n'appelait pas ça autrement avant. Je ne sais plus. Ouh. Si on peut avoir le brawl pass, peut-être qu'on pourra le débloquer tout ça. 169 gemmes. J'en ai que 98. Let's go.
plein de petits pouces bleus. J'espère qu'on va pouvoir débloquer un nouveau brawler. C'est parti, la grosse boîte. Ah, ça y est. Et on a 55 pièces. 12 points de pouvoir pour Arcade. 12 points de pouvoir pour Bartaba. 20 points de pouvoir pour Max. Une petite boîte. 24 points de pouvoir. 24 pièces. 6 points de pouvoir pour Mortis. Et 15 points de pouvoir pour Penny. On sent dans ma voix que je me trompe dans les noms, etc. Enfin, dans les mots. Je suis fortement fatigué avec mon boulot, donc veuillez m'excuser pour cela. Ça fait du coup 10 gemmes. Une grosse boîte. C'est parti. 63 pièces. 9 points de pouvoir pour Jackie. 10 points de pouvoir pour El Costo. Et 12 points de pouvoir pour Emery. Pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir débloquer un nouveau boulot dans cette série? J'espère. Ce serait excellent. 21 pièces. 60 points de pouvoir pour Rosa. Et 7 points de pouvoir pour Jackie. Oula, on va pas en débloquer un seul peut-être. 43 pièces. 12 points de pouvoir pour Pam. 13 points de pouvoir pour Brock. 16 points de pouvoir pour Max. Et on débloque 50 pièces. 47 pièces. 11 points de pouvoir pour Bartaba. 12 points de pouvoir pour Nita. 12 points de pouvoir pour Franck. Et c'est tout. On va pouvoir augmenter Franck pour la suite, ça c'est bien. Et 15 pièces. 4 points de pouvoir pour Dynamike. 6 points de pouvoir pour Karl. En tout cas, restez connectés. Je vais essayer aussi de télécharger et de jouer à Clash Mini, le nouveau jeu de Supercell. On verra peut-être pour la suite, on va essayer de le débloquer ce petit jeu, étant donné qu'il n'est pas disponible en Belgique ni en France pour l'instant. Il est en bêta fermé, dans certains pays. Et on enchaîne du coup avec la prochaine grosse boîte. 44 pièces. 11 points de pouvoir pour Beau. 15 points de pouvoir pour Mortis. 20 points de pouvoir pour Karl. Une méga boîte, est-ce qu'on aurait un nouveau brawler dedans? J'espère, on croise les doigts, j'espère vraiment du fond du cœur. Let's go! C'est parti! 214 pièces. 17 points de pouvoir pour Béa. 18 points de pouvoir pour Gold. 23 points de pouvoir pour Poco. 23 points de pouvoir pour Max. Un nouveau brawler qu'on n'a pas encore essayé. On va pouvoir peut-être faire un gameplay dessus de comment savoir le jouer. Let's go, on enchaîne la grosse boîte. C'est parti. Et on obtient 98 pièces. 8 points de pouvoir pour Jean. 9 points de pouvoir pour Ricochet. 12 points de pouvoir pour Franck. Petite boîte, 16 pièces. 7 points de pouvoir pour Bull. 8 points de pouvoir pour Jackie. Et la dernière grosse boîte. Let's go, c'est parti. Et 40 brûle-pièces. 12 points de pouvoir pour Nani. 13 points de pouvoir pour Béa. Et 14 points de pouvoir. C'est bien dommage, toujours cette ouverture de unboxing. On n'a plus du tout débloqué de brawler. Pourtant, on en a 35 sur 52. Ce qui n'est quand même pas énorme, étant donné qu'ils ont augmenté le nombre de brûleurs assez conséquemment. On peut quand même les débloquer grâce aux boîtes, juste un seul grâce au palier de saison. J'espère qu'on va pouvoir vite le débloquer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à repartager la chaîne si vous êtes déjà abonné et à laisser un petit pouce bleu. Et d'exposer la barre des commentaires afin de relancer la chaîne à son meilleur moment, à son meilleur top. N'hésitez pas à suivre pour à activer la cloche pour suivre les futures vidéos sur Clash of Clans. Non, pas Clash of Clans, peut-être Clash of Clans, ça il faudrait que je regarde sur Brawl Star, Clash Royale. Peut-être, ça je vais négocier.
Et ainsi pour les autres jeux mobiles, Pokémon Unite. Et pour Clash Mini peut-être, qui va peut-être arriver sur. Le jeu. Est-ce qu'on aura un correctif dans il y a un mois, moins d'une heure. Ouh, Skyline, 13 jours. Un mois. Ok. Donc merci à vous d'être encore là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous faire tout plein de remerciements. Que la suite de 2021 se passe mieux et qu'on commence 2022 avec encore plus de monde sur cette chaîne. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.